Bravo! Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez le magazine NBA avec Unibet France. Ça s'appelle Money Time. Alors, sur les derniers jours, j'ai un peu pris mes désirs pour la réalité. C'est-à-dire, je vous ai poussé à jouer les grosses cotes, mais en fin de compte, on se rend compte qu'il y a deux équipes au-dessous du lot, sans aucun doute, c'est Cleveland à l'Est et San Antonio qui est dominé par Golden State dans la conférence Ouest. Donc, on dirait que Golden State et Cleveland, ce sont deux TGV lancés à 300 à l'heure, mais sur le même rame. Et ils vont se rencontrer pour un gros choc en finale pour la troisième année de suite. C'est la première fois de l'histoire de l'NBA qu'on verra ça. Bon, si jusque-là, et je vois sur les réseaux sociaux, les gens sont déçus parce qu'il n'y a pas trop de suspense, beaucoup de sweeps. Où sont les matchs serrés que nous avons l'habitude de voir dans les playoffs NBA? Ben là, finalement, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de surprises et on voit Cleveland et Golden State sur cette trajectoire pour se rentrer dedans. Mais bon, tout à l'heure, quand on parle de l'Est, il y a quand même eu une surprise la nuit dernière et ça fait plaisir quand même. Donc, alors, est-ce que je continue à prendre mes désirs pour la réalité en vous poussant à prendre San Antonio dans le match 4 dans la conférence Ouest? Vous dites, mais il est fou ce George Eli. Après un 3-0 où Golden State domine San Antonio, comment peut-il imaginer que dans le match 4, San Antonio va créer la surprise? Bon, regardons rapidement cette série. Vous vous souvenez, dans le premier match, l'équipe de San Antonio est partie très très vite après leur exploit dans le match 6 à Houston au tour précédent. Il y a plus 26 à un moment dans le match 1 à Golden State. Au moment où la star de San Antonio, Kawhi Leonard, se blesse à la cheville pour la deuxième fois en une minute, donc là, il est sorti définitivement, il y avait plus 23 pour San Antonio. Mais San Antonio a fini par perdre, un énorme retour au score grâce à Steph Curry et Kevin Durant dans le deuxième mi-temps. Et Golden State arrache le premier match à San Antonio. Là, on s'est dit, on va être privé d'une finale de conférence merveilleuse. Parce que si San Antonio avait gagné le premier match, ça aurait pu aller en 6 ou 7 matchs. Et enfin du suspense, enfin des matchs passionnants à suivre. Mais non, la série a tourné sur la cheville qui a tourné de Kawhi Leonard dans le match 1. On voit dans le match 2, Popovich s'est fâché avec Pachulia qui a blessé Kawhi Leonard avec son pied en avant au moment du tir. Et je pense que quand Popovich a fait cette tirade, il a un peu donné une excuse à ses joueurs de s'oublier dans le match 2 et ils ont été très mauvais. Qu'on ne s'était domine complètement San Antonio dans le match 2 à la maison. On attendait le Marcus Aldridge au niveau du match 6 à Houston. Il a été l'ombre de lui-même. Et Popovich a dit « mes joueurs n'y ont pas cru ». Et donc, il attendait une réaction à la maison dans le match 3. On espérait que Kawhi Leonard soit de retour. Mais non, cette blessure à la cheville est trop grave. Il ne reviendra pas. Probablement pas pour le match 4 non plus. Mais il y a eu quand même dans le match 3 une meilleure équipe de San Antonio. Derrière, vous vous rendez compte, Manu Ginobili, 21 points à 39 ans. Meilleur marqueur à 39 ans. C'est peut-être son champ de signe. Peut-être c'est la dernière série de sa carrière. Grande carrière pour Manu Ginobili. En tout cas, il a été éblouissant. Et l'équipe de San Antonio était dans le match tout au long avant de perdre sur la fin d'une dizaine de points. Donc ça me donne envie de vous dire de jouer la très grosse cote de San Antonio dans le match 4. Parce qu'il peut y avoir un excès de confiance de l'équipe de Golden State. Il mène 3-0, tout est presque trop facile. Et Popovich va trouver les mots pour faire réagir l'orgueil de ses joueurs à la maison, devant leur public. Montrons notre plus beau visage, malgré les absences, Tony Parker, Kawhi Leonard, à notre public. Montrons ce que nous savons faire, notre système de jeu. Alors là, j'attends le Marcus Aldridge à plus de 20 points. Peut-être Ginobili encore, et là, ça devrait être des bonnes cotes aussi. Si c'est le dernier match de Ginobili en play-off, il va essayer de sortir sur un feu d'artifice.
Je ne sais pas. En fait, la cote va être tellement énorme. Pourquoi pas jouer une petite pièce sur San Antonio dans ce match 4 pour pousser au moins Golden State jusqu'à un match 5 où Golden State devait logiquement remporter la série à la maison. Dans la conférence Est, alors c'est un peu le même scénario, parce que bon, c'est pas Kawhi Leonard, le meilleur joueur de San Antonio, qui se blesse. Là, c'est Isaiah Thomas, le meilleur joueur de Boston, qui lui était déjà blessé dans la série précédente, très physique, contre Washington. Il avait mal à la hanche. Donc, dans la finale de conférence Est entre Cleveland et Boston, on commence à Boston, parce que c'est Boston qui a l'avantage du terrain, je vous rappelle, ils ont fini devant Cleveland en saison régulière. Mais bon, à la maison, Boston n'a pas pu enchaîné après l'euphorie du match 7 gagné contre Washington au tour précédent, surtout parce que Isaiah Thomas était déjà diminué. Il traînait un peu sa jambe et c'est un joueur qui joue sur le côté explosif. Il fait 1m75 et il a pris beaucoup de coups. Donc il traînait un peu sa hanche ou sa jambe. Il n'a pas été bon et Cleveland domine le match 1 à Boston. Match 2, il essaie de jouer un peu héroïquement Isaiah Thomas, mais en deuxième mi-temps, il est out définitivement. Ça se voyait, il ne pouvait plus bouger normalement. Et après, on nous annonce qu'il est out définitivement pour toute la série. Donc, on se dit, dans le match 3, bon, Cleveland va se promener. Cleveland n'a pas perdu encore en playoff cette saison. C'est comme Golden State, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans le match 3? Ben, la surprise des playoffs! La surprise des playoffs! Quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, mais c'est pas possible! Il n'y a pas Isaiah Thomas. Il joue sur le terrain de Cleveland. Cleveland a fait le plein de confiance et Boston arrive à arracher in extremis la victoire. Grâce à qui? Bon, déjà, grâce à Marcus Smart. Ce joueur que le public de Boston adore parce qu'il est toujours à 120%, un peu comme Patrick Beverley de Houston. Là. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, gros défenseur. Alors lui, il fait le match de sa vie en attaque avec 27 points et 7 paniers réussis à 3 points. En fin de rencontre, vous avez des joueurs comme Olynyk, le héros du match 7 contre Washington. Il met 15 points dans le match et des paniers importants dans le Money Time. Comme Jerebko, le Suédois, qui met un shoot à 3 points super important. Avery Bradley met le shoot de la gagne et ils arrachent la plus grosse surprise, je pense, des playoffs jusque-là, parce qu'il n'y a personne qui a pronostiqué Boston pour gagner le match 3 sur le terrain Cleveland. Personne. Et donc, victoire de Boston. Alors, est-ce que ça veut dire que Boston est relancé? Bon, ils l'ont fait contre Chicago au premier tour. Ils perdent les deux premiers matchs à la maison et après, ils gagnent 4 de suite. Mais contre Cleveland, j'ai du mal à le croire. Bon, vous pouvez jouer la grosse côte si vous voulez, hein, si vous aimez la prise de risque. Mais très honnêtement, Cleveland maintenant est prévenu que Boston peut faire des choses étincelantes et Cleveland à la maison ne va pas vouloir rendre l'avantage du terrain à Boston. Ça serait complètement stupide pour une équipe archi-dominatrice pendant tous les playoffs. Donc, je vois quand même Cleveland gagner ce match 4 mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Au niveau des individualités, je vois bien Avery Bradley à plus de 20 points pour compenser l'absence de Isaiah Thomas. LeBron James qui a enfin raté un match, il ne met que 11 points, 4 sur 11 au tir. La défense de Boston l'a embouteillé avec plusieurs défenseurs. Il a perdu 6 ballons. Donc, pour une fois, le roi LeBron James a raté son match dans le match 3. Et là, je pense qu'il va réagir. Donc, il va être à plus de 25. Kyrie Irving et Kevin Love, qui sont à un niveau stratosphérique dans le match 3, malgré la défaite, eux aussi, ils peuvent dépasser les 25 points. Ça risque d'être un match défensif. Donc, jouer plutôt le under. Peut-être un match à pas plus de 210 points en cumulé. Donc, vous avez les données. Vous jouez la grosse côte si vous voulez. Moi, personnellement, je pense que Cleveland va remporter ce match 4 dans la nuit de mardi à mercredi dans la finale de la conférence S. Mais au moins, là, on a eu une surprise, un peu de suspense. On peut croire éventuellement que cette série est légèrement relancée. Mais bon, Cleveland risque de mettre les points sur les i tout de suite et remporter le match 4 à la maison. C'est la fin de notre magazine NBA Money Time avec Unibet France. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une grosse présentation dans les détails pour la finale NBA qui risque quand même d'opposer Golden State
à Cleveland pour la troisième fois de suite. Ça va être passionnant. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Bye-bye!